Bonjour à tous, c'est Amourettil, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Alors aujourd'hui, je procédais au réaménagement de mon terrarium de ma Ceratophis canwyllii, car au bout d'un temps, comme vous le savez, bon, il faut remplacer la mousse parce qu'elle commence à sentir mauvaise, donc c'est le signe annonciateur qu'il faut procéder à son remplacement. Mais je vais en profiter également pour réaménager son terrarium, parce qu'en fait, sa plante palus que je lui avais installée, elle grandit, mais le problème, en poussant, elle a tendance un peu à s'écraser au niveau de la hauteur, donc notamment du plafond, ce qui devient un peu problématique. Et évidemment, comme j'ai mis que de la mousse, et cette plante est dans la terre, ça ne fait pas forcément ménage, à mesure où il faut installer une certaine quantité de terre pour que les racines puissent bien se développer. Donc je vais vous montrer le matériel que j'utilise pour réaménager le terrarium, et c'est parti. Donc, pour le matériel, je vais utiliser deux paquets de sphaigne déjà humidifiés. Donc au niveau quantité, ça sera très bien adapté. Donc ça c'est pareil, tu peux les trouver en animalerie, en jardinerie, un peu partout, pour un prix très abordable. Alors pour information, chaque paquet m'a coûté 4,90€, bon, ce qui demeure quand même très correct. À cela, j'ai ajouté l'ajout d'une plante en plastique de marque Trixie. Donc il existe plusieurs modèles de plantes en plastique que tu peux choisir en fonction de tes goûts et évidemment du prix. Donc une plante suffira dans la mesure où je veux garder quand même une décoration assez sobre. Donc je vais procéder à l'installation de tout ça et je te montre ça.